Dans la plaine de Gevry, le maïs atteint cette année plusieurs mètres de haut. Les épis sont en train de durcir, une nourriture exceptionnelle pour les sangliers du secteur. Alors pour éviter que ces champs ne deviennent les camps retranchés du gros gibier, l'association communale de chasse agréée a décidé de chasser par anticipation. On a déjà constaté qu'il y avait des dégâts dans les maïs, un début de dégâts. Donc pour éviter que sur un mois ils restent dans le maïs et puis qu'ils fassent trop de casse, on préfère délocaliser un petit peu les sangliers, quoi. Avant toute chose, le président vérifie la validation des permis de tous les chasseurs présents. Et les consignes de sécurité sont rappelées particulièrement avant le début de chaque battue. Le chasseur doit effectuer tout déplacement avec son arme vide et cassée ou culasse ouverte. Le plan de chasse est précis et le secteur n'a pas été choisi au hasard. Au printemps, les agriculteurs avaient planté du maïs sur les deux parcelles-là. Avant la levée du maïs, les sangliers avaient dévoré tout le champ, quoi. Donc ils ont été obligés de replanter du soja. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on vient faire une battue anticipée pour essayer de limiter les dégâts. La saison dernière, les sangliers ont provoqué des dégâts dans les cultures estimés à 300 000 euros. Des indemnités versées aux agriculteurs et totalement payées par les chasseurs du Jura. Le problème du sanglier, c'est que c'est un animal qui peut se développer très vite, qui s'adapte à tous les terrains, qui s'adapte à toutes les sortes de nourriture. Et à moins de lancer une gigantesque campagne de stérilisation à l'échelle nationale, je ne vois pas comment on peut faire autrement que par la chasse pour réduire le sanglier. D'autres battues comme celle-ci auront lieu avant l'ouverture générale de la chasse le 13 septembre prochain.